Hey, salut tout le monde, c'est Bouscaman, aujourd'hui nouvelle vidéo où on se retrouve sur mon bureau pour une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire puisque ça va être une vidéo tuto sur comment ouvrir une scuff. Voilà, donc ça c'est une scuff de première génération. Le problème de ces scuffs là c'est qu'on ne pouvait pas enlever les joysticks sans la démonter et c'est vrai que beaucoup de personnes avaient ce problème là et ont essayé de la démonter soi-même. Donc il y a quelques tutos qui circulent sur YouTube mais des tutos vraiment dégueulasses. C'est-à-dire que les mecs ont essayé de forcer la vis spéciale qui est à l'arrière de plusieurs manières et à chaque fois ça faisait dégueulasse, ça laissait des marques sur le plastique, etc. Moi aujourd'hui je vais vous montrer comment enlever cette vis spéciale sans laisser de marques. Malheureusement vous allez devoir dépenser 10€ puisqu'il faut un embout de tournevis spécial. Donc je vais faire une petite introduction vite fait et après on passera au tuto. Donc comme vous le savez, voilà, sur ces premières scuffs, on ne pouvait pas les démonter. Comme sur les deuxièmes, on ne pouvait pas les démonter parce que la vis est toujours présente. Sauf que sur les deuxièmes, on peut enlever les joysticks directement, donc les scuffs Infinity. Et sur celle-ci, voilà, on est vraiment obligé de la démonter pour pouvoir enlever les joysticks. Pourquoi il y a cette vis spéciale? Donc je vous montre un petit peu la différence. Hein, pour tous ceux qui ont une scuff, ils savent très bien de quoi je veux parler. Ici, on a une vis normale de manette PS4. Et à gauche, on a une vis spéciale un peu étoilée qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc cette vis sert tout simplement de garantie pour qu'on ne puisse pas l'ouvrir soi-même pour tout simplement ne pas la péter et la renvoyer au SAV en disant non, elle s'est pétée toute seule, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc je ne vous incite pas à l'ouvrir non plus, c'est un tuto qui peut servir à ceux qui veulent vraiment l'ouvrir et changer les joysticks. Moi pourquoi je l'ouvre? Parce que de toute manière j'ai une Scuf Infinity, etc. C'est juste que franchement les joysticks PS4 je trouve que c'est les mieux. Donc il y a de ça, quelques mois j'ai acheté des joysticks PS4 sur Amazon, je mettrai aussi le lien dans la description pour ceux qui en ont besoin pour changer tout simplement. Je les ai achetés mais j'ai pas eu trop le temps, plus trop l'envie de le faire, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de le faire. Donc on va démonter cette manette là. Sachez que j'ai 4 scuffs et que j'en ai démonté 3 et que celle-ci ça va être la quatrième donc. Donc elles y sont vraiment toutes passées, donc je maîtrise un minimum, hein, je sais ce que je dis, etc. Voilà, c'est pas un truc sorti de mon cul, voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite l'embout de tournevis qu'il va vous falloir pour pouvoir démonter cette manette. L'embout, c'est celui-là, voilà, c'est ça. Donc, à quoi appartient cet embout et cette vis? Vous n'allez pas en revenir, mais en gros, c'est une vis de Nintendo NES, des cartouches de NES. Vous voyez les cartouches de jeux vidéo de la Nintendo NES? Bah, il y avait des vis dedans. Et donc, les vis pour tenir la cartouche, c'était ça. Voilà, c'était les vis qu'on retrouve à l'arrière de la manette de Scuf. En tout cas, ça y ressemble vraiment fortement. C'est pas exactement la même taille, mais c'est exactement la même forme. Donc, tout ça pour dire qu'en gros, quand vous allez, si vous le faisiez, acheter parce que c'est un duo d'embout, on ne peut pas l'avoir solo. C'est le 3, en fait, vous avez un embout de 3,8 mm et un autre de 4,5, donc c'est écrit dessus. Celui qu'il va nous falloir, c'est le 3,8. Sachez que le 3,8, il n'y a pas au-dessus ou quoi. Sachez que il est plus petit que la vis elle-même. Donc, quand vous allez dévisser la manette, je vous conseille, vu que l'embout est étoilé, je vous conseille de prendre une extrémité de l'étoile. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, de prendre une extrémité. Donc, avec votre tournevis, vous allez choisir une extrémité n'importe laquelle et de bien viser la vis et de le rentrer comme ça, un peu par coulissement, comme si vous pliez comme ça là. Et là, vous pourrez visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout simplement. Et ça se dévisse, vous forcez un petit peu quand même, parce qu'il faut que l'embout se prenne dedans. Et là, vous voyez, je suis en train de la dévisser sans aucun problème. Enfin, elle se dévisse, Donc, c'est un petit peu long. N'essayez pas de forcer trop. Vous voyez que ça se dévisse, il faut bien dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc voilà, moi je vais dévisser tout ça et puis on se reprend tout de suite après. Sachez que vous n'avez pas besoin de dévisser les palettes, vous pouvez les laisser telles quelles. Et voilà, tout simplement. Donc on se retrouve tout de suite après une fois que j'ai dévissé toutes les vis. Sachez aussi que j'ai pris un petit récipient pour pouvoir ne pas paumer les vis, tout simplement. A tout de suite. Donc j'ai juste changé d'angle de la caméra pour que je sois beaucoup plus à l'aise. Sachez que vous allez aussi avoir besoin d'une petite pince. Donc moi j'en ai deux, j'en ai une comme ça, mais elle est crantée en fait. Et le problème de ça c'est que, vu qu'il va y avoir des petits morceaux à gripper, ça a tendance à glisser un peu, donc j'ai pris une pince coupante, donc forcément je vais pas trop appuyer pour ne pas couper les composants, mais sachez qu'une pince coupante, ça agrippe beaucoup mieux, donc je vais vous montrer par la suite. Donc là, elle est dévissée, tout ce qu'on a à faire c'est d'éclipser de chaque côté devant comme ça, voilà,
se fait direct. Une fois que on a dévissé ça, enfin déboîté pardon, il faut, bon là ça c'est les boîtiers directs, hein, voilà. Mais sachez qu'il faut appuyer sur les touches L2 et R2 comme ça, et là en fait les deux petites fentes ici passent, et là la manette s'ouvre en mode au calme, tranquillement. Voilà, donc ça donne ça à l'intérieur, donc on va plus la mettre, eh bien, comme ça. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit support, bah, je vais reprendre une autre manette. Voilà, donc on va faire un petit tour, l'histoire que vous ne cassiez rien. Sachez juste que si vous pétez quelque chose, bah, je vais vous montrer vraiment à 100% au maximum, vraiment bien vous expliquer. Ça risque peut-être de prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais au moins, ça sera clair. Sachez que vous cassez quelque chose, c'est pas de ma faute. Voilà, vous en prenez à vous-même. C'est pas compliqué, mais si vous êtes vraiment une merde en, on va dire, voilà, en techno, tout ça, évitez, évitez. Donc, on a deux fils à enlever, premièrement, donc, enfin, le câble de la batterie et le petit câble qui est relié à la carte mère, moi j'appelle ça comme ça, la carte mère de la manette, et on en aura un deuxième, qui est en dessous, qui est bah, tout simplement relié à tous les câbles qui relient les boutons joystick, les boutons, les flèches, etc. Donc, on va commencer par la batterie parce que c'est le plus simple. Une fois que j'aurai changé les joysticks, parce que c'est ma première mission, hein, voilà, une fois que j'aurai changé les joysticks, je dévisserai juste les palettes pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble et le fonctionnement, et pourquoi je dis que c'est presque incassable. Il y a toujours une marge, hein, voilà, mais je dis que c'est presque incassable. Donc on commence par la batterie, vous allez tout simplement à l'enlever comme ça, mais je vous conseille de la laisser dans le cache. Voilà, vous prenez la petite pince non coupante, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'y aller avec une pince coupante, hein, allez-y avec ça. C'est juste que c'est un petit peu chiant, des fois ça glisse en fait la pince comme ça. Voilà, vous l'enlevez, ça s'enlève tout seul. Pour là, la petite languette en fait, donc c'est chiant parce que ça tombe toutes les deux secondes. Vous avez une petite languette bleue qui est ici, je vais prendre le tournevis pour viser, qui est ici. Je vais essayer de l'enlever avec la pince bleue, mais je sais que c'est un petit peu galère, mais ça passe. Voilà, ça passe. Vous pouvez y aller aussi avec une pince à épiler, je pense que ça fait très bien le taf. Donc là, on a vraiment les deux parties qui sont détachées, sauf que, bah, vu qu'il y a les palettes, il y a deux petits cordons qui relient là, qu'il ne faut surtout pas abîmer. Ça, c'est vraiment des cordons très 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 fragiles, c'est-à-dire que si vous les pliez à tort à travers, bah, ça risque de se plier, de se casser. Donc c'est vraiment des fils, ceux-là, qu'il ne faut pas toucher. Donc là, on a vraiment les... Je vais essayer de bien la remettre tranquillement, voilà. On a les deux cordons enlevés, donc celui de la batterie et celui des boutons principaux. On enlève le petit cache de la batterie. Alors ça, c'est un peu clipsé, c'est un petit peu chiant à enlever, faut tirer quand même, voilà. Ça s'enlève tout seul, donc je vais essayer d'atténuer la lumière, on va la mettre au milieu. Donc en fait, chaque fil est relié à la carte mère, donc par là et par là, donc c'est soudé. Peut-être que ça peut se dessouder avec le temps, mais normalement, voilà, tant qu'on n'y touche pas, ça, normalement, c'est assez fiable de ce côté-là. C'est juste une petite soudure, il n'y a rien de très compliqué à ce niveau-là. Il y a une seule vis centrale pour enlever la carte mère, c'est celle-ci. Donc, on a des vis, c'est une vis assez longue, que faire 7-8 mm, peut-être un peu moins, ouais, 7 mm, je dirais. Hop, toutes les vis sont aimantées, hein, donc si vous avez un petit tournevis qui permet d'aimanter les vis, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est enlevé. Sachez que moi, vu que ce sont des joysticks moyens, les longs ça va être une horreur, mais les moyens déjà c'est assez chiant à enlever parce qu'ils se bloquent en fait dans la coque de la PS4. Donc c'est assez galère, donc si vous me voyez galérer à enlever, c'est normal. Donc il faut vraiment pousser les joysticks parce que c'est ça qui va réellement bloquer l'avancée. Alors juste avant, j'ai pas fait le mec professionnel, mais juste avant, avant d'enlever, vous avez, comme je disais, le petit cordon ici à enlever. Donc celui-là, c'est le même que le bleu, il y a une petite languette. Hein. Surtout, vous tirez pas par le fil, vous tirez par la petite languette qui est colorée. Là, je vais prendre la pince parce que celui-ci, c'est le plus chiant à enlever, c'est celui qui est vraiment bien entré. Tout simplement, hop, vous le décapsulez. Il faut faire bien attention parce que si vous ne le rentrez pas dans le petit trou prévu à cet effet, voilà, là vous voyez que je l'ai rentré dans une espèce de petit trou, ça va bloquer et vous aurez trop de mal à enlever la carte principale de la manette. Donc ce que je vous conseille, c'est de le tenir comme ça tout en essayant d'enlever la manette, c'est vraiment galère. Là il est à peu près bien axé, voilà. Donc là il ne nous fera pas chier, donc là ce qui va vraiment nous faire chier, ce sont les joysticks
qu'il va falloir essayer de pousser tant bien que mal à l'extérieur de la manette. Normalement, je suis bien. Voilà, le premier est enlevé. Si je galère, c'est vraiment normal. Hein. C'est pas que. Voilà. Hein. C'est vraiment que les joysticks sont. C'est vraiment le truc le plus chiant. Voilà, tranquillement. Donc là, tout est. Ah, l'autre s'est remis. Bien chiant. Voilà. Là, tout est enlevé. Donc, il se peut que votre touchpad voilà, se barre comme ça. C'était fait exprès. Hein, et que les boutons options aussi se barrent. C'est tout simple. Vous avez des crans de chaque côté. Vous les remettez. Voilà, vous les remettez là, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, dans le bon sens par contre. Hein. Vous verrez de toute façon que si c'est pas le bon, ça rentre pas. Si c'est le bon, ça rentre, si c'est pas le bon, ça rentre pas. C'est bien fait, c'est fait exprès, voilà. Donc là, c'est bien rentré. Le touchpad pour le remettre, si c'est déboîté quand vous avez enlevé tout ça, je vais changer un petit peu la luminosité, voilà. Ça, on va l'écarter, cette manette-là, on n'en a plus trop besoin. Pour le remettre, c'est tout con. Là, vous avez la barre. Vu que c'est arrondi, le touchpad, vous l'insérez. Je suis désolé, hein, si la luminosité abaisse, mais vu que j'ai une petite lampe pour bien. Vous le glissez comme ça et vous le coulissez. Voilà, et là, hop, c'est fini. C'est coulissé, il n'y a aucun problème. Voilà, si ça se barre, voilà. Les boutons, donc là, ça c'est les boutons, les flèches, etc. Je vais pas la retourner parce que j'ai pas envie de réenlever et de tout remettre. Voilà, là c'est fixé, ça bougera plus. Tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est de eh bien, prendre ça, hein, toujours en faisant gaffe à la carte hein, qui est en dessous, de ne pas abîmer les composants. Je vous conseille d'ailleurs de peut-être un peu l'écarter comme ça, voilà. Voilà, vous déclipsez. C'est un petit peu dur hein, les joysticks à enlever. Vous les déclipsez, c'est tout. Il y a un sens pour les joysticks, hein, c'est pas rond les embouts comme ça. C'est rectangulaire, donc vous allez juste après aller remettre. Donc, moi, je mets mes joysticks neufs, joysticks de PS4, ceux que je préfère. Hop, je l'ai déjà fait. Hein, cette manette-là, c'est la même. Elle avait exactement les mêmes joysticks que celles que je suis en train de démonter là. Et j'ai mis des joysticks de PS4 dessus. Hein, donc, j'ai vraiment déjà démonté des manettes. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Hop, donc là, voilà, ça clique. C'est bon, c'est nickel. On va juste eh bien, maintenant remonter tout ça. Ce que vous voyez aussi sur les côtés, on va vous montrer un petit peu l'anatomie de la manette, hein. Ce que vous voyez ici c'est tout ce qui est vibration. Sachez aussi que quand vous allez remonter la manette, les touches L2 et R2 risquent peut-être de s'enlever et il faut faire bien attention parce que, avant qu'on arrive à cette étape, je préfère vous prévenir, vous avez des petits cordons métalliques, donc des espèces de petits, comment je pourrais appeler ça Ouais, c'est des espèces de petits morceaux en métal qui font que la gâchette revient automatiquement à sa place. Des petits ressorts, voilà, c'est des petits ressorts. Et si la gâchette s'enlève, le ressort peut aussi s'enlever avec. Donc vu que c'est tout petit, vous risquez de le perdre. Donc je préfère vous prévenir maintenant avant qu'on arrive à cette étape-là. Normalement, il n'y aurait pas de problème, mais ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Je ne les ai jamais perdus, mais voilà, j'ai toujours fait gaffe. Donc là, vu que les joysticks sont beaucoup plus petits, c'est beaucoup plus simple à remettre. Il n'y a pas de secret là-dessus. Hein. Plus vous allez avoir des joysticks longs, plus ça va être chiant à remettre. Tout ce que vous avez à faire, bah, c'est reprendre la vis grise de base. Voilà. De maintenir la manette en l'air, parce que sinon vous allez visser dans le vent en fait. Et de l'insérer comme ça. Là, quand la carte mère est vraiment dans la manette comme ça, ça veut dire qu'elle est bien mise. Si elle ressort un petit peu, ça veut dire qu'elle est mal mise et que les joysticks sont pas bien mis derrière. Donc là, elle est vraiment bien poussée. Et là, je peux visser tranquillement, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà. Donc là, les joysticks sont changés, c'est nickel. Maintenant, eh bien, on va faire ce qu'on a démonté tout à l'heure, c'est-à-dire les fils, vous pouvez bien les remettre, ça, il n'y a pas de problème. On va remettre le petit cache. Alors, ouais, juste avant de remettre le petit cache, hein, ça serait bien, mais on va rebrancher tout ça parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, on rebranche tranquillement, toujours, hein, par prendre sur la languette. Hein. Si la languette, elle s'abîme, si vous voyez que vous l'avez un peu rayé, tout ça, parce que c'est du plastique, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est rien. Il n'y a pas de composants sur la petite languette, c'est fait vraiment exprès pour ne pas abîmer les composants. C'est pas grave, vous pouvez vous permettre de rayer un petit peu la languette. Hop, après on remet le cache, donc il y a des petits trous prévus pour ça. Donc là il y en a un là et un deuxième là, voilà, ça se clip, une fois que c'est clippé ça bouge plus trop. Ce que je peux vous conseiller c'est, on remet d'abord la batterie, c'est pas comme tout à l'heure où on débranche, là on branche d'abord, voilà, donc c'est branché comme ça, vous appuyez, il n'y a aucun problème, ça clip, ça là. Et là vous tournez la batterie, vous la rentrez bien dans le petit crochet prévu pour que les fils ne se baladent pas. Vous verrez bien que de toute façon si vous la démontez, il y a un petit crochet exprès prévu. Là, ça me paraît juste à pousser un petit peu avec le tournevis. Voilà.
Voilà, là la batterie ne bougera plus, il n'y a aucun problème, c'est tranquille. Voilà. Voilà, donc là on a changé les joysticks, c'est bon, là c'est fini. Il faut juste remettre la languette, mais je la remettrai en dernière parce que ça va me faire chier pour les palettes, pour que je puisse vous montrer tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit DVD derrière, voilà. Petit DVD Walking Dead, hop, tranquillement. Ouais, c'est un peu chiant en fait, hein. On va faire ça avec une autre manette. Voilà, là c'est nickel. Donc maintenant le tuto, on va dire qu'il est fini. Maintenant je vais vraiment vous montrer le mécanisme des palettes, c'est un petit bonus. Faut savoir que c'est pas... Enfin, moi de ce que j'ai pu voir de ma manette Burn Xbox One, c'est pas du tout le même système. Je sais pas si c'est le même système sur les Burn PS4. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que si votre palette ne clique plus, il faut la démonter et je vais vous montrer comment ça peut être quoi le problème. Donc il faut faire attention, là je le démonte pour vous montrer, mais normalement il faut que ça soit bien à plat parce qu'il y a des petits morceaux de métal dedans, domé, qui servent en fait à ce que la palette active sur la petite carte. Donc ça c'est une carte rajoutée par Scuf, elle n'existe pas dans la manette d'origine, hein. C'est vraiment rajouté par Scuf, donc c'est vraiment du pur électronique. Si votre manette ne marche plus, ne clique plus, ça vient de l'électronique, ça ne vient pas du matériel entre guillemets, Bon, le matériel c'est du non électronique, hein. C'est genre bah, les boutons, tout ce qui est coque, etc. Moi j'appelle ça des trucs matériels. Donc il y a 4 vis, 2 de chaque côté. Donc, vous les enlevez bien, vous faites bien attention, vous les mettez dans le petit bocal que vous avez prévu pour pas paumer les vis. Et donc là c'est le moment où il va falloir faire gaffe parce que vous allez avoir 4 éléments qui peuvent potentiellement se barrer. Donc, on va enlever la carte, hein. Il n'y a rien de plus simple, hein. Vous prenez la petite pince, hein, voilà, et là... Vous l'enlevez tout simplement comme ceci. Voilà. Hop. Ah bah là ils sont. Ça bouge. Ah, ils sont collés là sur celle-ci. C'est la première fois. Bon, en même temps, j'ai ouvert une seule fois au niveau des palettes. Là, ils sont collés. D'accord. Ouais, bah, c'est encore mieux que ce que je pensais. Donc, moi sur la scuff que j'avais ouverte, ce n'était pas collé. Ou alors ça avait dû peut-être se décoller avec le temps, je ne sais pas. Donc là vous avez la petite carte fournie par Scuf, donc voilà, vous, vraiment très pro. Alors est-ce que, il y a le remaping dedans, mais est-ce que, je pourrais pas vous dire où exactement se trouve le remaping, tout simplement parce que je n'en sais rien. Est-ce que si vous n'avez pas le remaping, la carte ressemblera à ça, pro? Probablement, après je pense que c'est juste un truc rajouté sur la carte, hein. Voilà, donc en fait les palettes, donc les petits boutons qui sont ici, je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Clique là-dessus, en fait c'est un espèce de petit morceau de métal qui est collé sur une plaque en or, hein. Et donc en fait qui est domé, et quand la palette a clique dessus, bah, ça courbe simplement le petit morceau de métal domé et ça clique. Donc vraiment en fait bah, c'est incassable, hein. C'est pas comme si c'était un bouton réellement, un petit mécanisme de bouton. Là c'est vraiment une plaque, c'est tout con. Le bouton là il est dans la manette, il peut pas se casser parce que c'est pas un système, c'est vraiment c'est comme les boutons croix, etc., hein. Ça appuie sur une plaque, enfin sur un circuit tout simplement. Et donc là bah, c'est la même chose, ça appuie sur un circuit, donc on va dire que c'est presque incassable. Alors que ce que j'avais sur ma Burn, moi c'était des vrais boutons et de pas très très bonne qualité. Et bah, une fois que le bouton était pété, ça cliquait plus forcément. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un petit bouton, voilà, il est là, tranquille, pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Voilà, donc un bouton c'est ça, voilà, ça ressemble à ça. Quand je le retourne, il y a juste une toute petite, vous le voyez sur le dessus là, ici, il y a une toute petite, un tout petit renfoncement dessus pour bah, que ça appuie, pour que ça fasse... tampon entre guillemets sur la petite plaque en métal, et voilà c'est tout en fait, hein. Et sinon c'est vraiment tout con, hein. C'est à dire que là il y a des fentes exprès de chaque côté et le bouton se remet juste dedans. Voilà, je vais galérer à le remettre, non voilà, là il s'est remis, là voilà, il y en a un, là il y en a pas, voilà. Donc c'est vraiment tout con. Le deuxième il est là, je vais pouvoir le remettre tranquillement, voilà. Et donc vraiment, c'est pas... Si vos palettes ne cliquent plus, parce que moi ça m'était arrivé, j'avais invité un pote et le mec complètement appuyé comme un malade sur un net, enfin voilà, ça, vous voyez qu'il n'était pas trop précautionné, etc. C'est très possible que moi, dans mes autres manettes, pardon, putain le mec a trop de mal,
ces petits morceaux en métal ne soient pas collés et donc se soient décollés entre guillemets, ou peut-être voilà, étaient juste placés tranquillement là. Et c'est possible qu'il y en ait un qui se soit barré. Donc en fait, vous ouvrez votre manette précautionneusement, hein, je sais même plus si ça se dit, et le truc se sera sûrement barré en fait, et vous avez juste à bien le remettre dans l'angle et refermer la manette et ça recliquera. Hein. Y a aucun problème à ce niveau-là. Je sais pas si vous m'avez bien compris, mais bref. Donc là, on va bien remettre tout ça. Voilà. Ou pardon, j'ai donné un gros coup dans la caméra, c'est pas cool. Donc je vais revisser tout ça, donc j'espère que vous avez bien compris tout ça. N'hésitez pas à revoir le tuto plusieurs fois en même temps de démonter la manette, hein, pour bien être sûr de ce que vous faites. Donc là on va tranquillement remettre ça. Voilà. Pas la peine de forcer, hein, c'est bon. Si c'est bien mis, c'est bien mis. Et pas besoin de forcer comme des porcs. Donc voilà, les 4 vis sont remises, j'espère que j'aurai bien expliqué au niveau du fonctionnement des palettes, c'est vrai que c'était pas ultra clair, mais voilà, c'était juste pour vous expliquer que c'est vraiment fiable le scuff, ça peut arriver hein, que votre scuff soit pété, etc., et que voilà, mais c'est réellement fiable, enfin, c'est vraiment fiable, pour moi, c'est vraiment propre ce qu'ils ont fait, c'est pro, etc., donc tranquillement. On va remettre ça, donc ça c'est le truc qui aurait pu me faire chier si j'étais... C'est pour ça que je l'ai pas enlevé, enfin je l'ai pas remis, pardon. On va essayer de bien le remettre, parce que là je galère comme un porc. Hop, voilà, simplement. Donc toujours par la petite languette bleue, hein, c'est la petite protection pour ne pas abîmer le circuit. Et voilà, là c'est bon, tout est bien remis. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les câbles et de les, serrer un petit peu comme ça, là. Je sais pas comment dire. De les tourner. Pour pas qu'ils se barrent un peu partout, voilà, de faire un petit nœud comme ça, et là ils sont bien, ils se baladeront pas partout, et vous risquez pas de les pincer quand vous allez remettre la coque. Quand on remet la coque, très important de faire attention aux gâchettes, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles peuvent se barrer, se déclipser. Donc toujours, voilà, on commence par rentrer les deux petites fentes ici, voilà, donc là c'est bien mis. Faut bien faire gaffe, en fait, faut bien pousser de chaque côté. Vous voyez que là, ça bloque. Là, je pousse et voilà. Là, c'est clipsé. Grosse galère, vraiment grosse galère. Hop. Bon, ça me paraît pas mal. Hop. Faut bien faire gaffe parce que la batterie aussi, voilà, peut gêner un petit peu quand ça se clipse. Et là, hop, j'ai juste à clipser de chaque côté. Et de toute manière, là, elle est nickel. Donc... Là elle est nickel, j'ai juste à revisser, vous voyez que j'ai mes nouveaux joysticks, etc. Le tuto aura été assez long. Hein. De toute manière, vu que une scuff ça coûte très cher et que vous n'avez pas forcément envie de la niquer, je préfère faire un tuto long et bien expliqué qu'un tuto rapide et bâclé. Là au moins on aura fait étape par étape. J'espère que vous ne serez pas perdu. Voilà, je vais essayer de faire le montage bien propre. Pour que ça soit compréhensible. Hop, donc là je revisse, je mettrai pas la troisième vis volontairement, hein, parce que voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas le plastique est un petit peu rayé, mais c'est parce que je m'y suis pris un peu comme un manche, mais c'est pas si propre, ça reste propre. Je ne vous incite pas, si vous l'avez démonté et que vous l'avez abîmé, à la remonter ni vu ni connu et à appeler le service de scuff, hein. C'est pas du tout à ça que j'incite, hein. C'est vraiment pour vous expliquer si vous avez vraiment envie de démonter votre manette, etc. C'est vraiment dans un but personnel, n'est-ce pas? Donc là, je remettrai moi, la troisième vis que je chopperai sur une manette que j'ai déjà démontée. Donc là, il y a trois vis, largement suffisant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est vérifier si ça marche. Et oui, hein, est-ce que je l'aurais pas pété, n'est-ce pas? Donc là, actuellement, je crois que c'est cette manette-là. Ouais, c'est cette manette-là qui est éteinte le périphérique. Voilà. Donc là, sur ma play... Il y a pas de manette, mais il est connecté une manette. Donc ce qu'on va faire, c'est vu que j'ai jamais utilisé celle-ci sur cette Play. Au cas où, hein, la PS4 Pro fait vraiment pas de bruit. Hein, elle est vraiment... Depuis tout à l'heure, elle tourne. Je pense pas que ça ait fait du bruit. C'est plus mon PC. Donc là, hop, j'appuie. Et voilà, la manette est reconnue. Il n'y a aucun problème. Ce qu'on peut faire, c'est... voilà, elles sont déjà assignées parce que... Voilà, recherche est partie. Donc regardez, hein, je clique avec... avec la palette, créer classe, hop, retour avec lui, voilà. Il n'y a aucun problème, c'est ultra réactif, la manette marche, donc tranquille, voilà, hop, comme neuf, pas abîmé ou quoi, vraiment, vraiment propre, hop. Donc, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, tous les liens sont en description pour Pécho.
les embouts de tournevis, donc ça coûte 10€. Et pour pécho aussi les joysticks si vous en avez besoin de nouveau. N'essayez pas de forcer au point vraiment acheter ces embouts-là. Comme je vous l'ai dit, ils sont juste un tout petit peu plus petits que la vis elle-même, donc vraiment bien rentrer le tournevis dans dans l'étoile, donc j'appelle ça comme ça, pour vraiment ne pas fausser le pas de vis. Et ça se passera tranquillement. Et puis voilà, donc c'est vraiment le 3,8 qu'il faut utiliser et non le 4,5, vous recevrez une paire d'embouts. Et voilà, donc j'espère vraiment que cet unboxing vous aura aidé, ce tuto vous aura aidé, c'était vraiment le but. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, tchuss.